La Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, jadis pays de paix où il faisait bon vivre, est devenue une tombe à ciel ouvert. Depuis 10 ans maintenant, le pays est confronté à des phénomènes qui dépassent l'entendement. En plus des suicides, des inondations meurtrières, un autre phénomène a vu le jour, celui des enlèvements d'enfants, voire même des adultes. Un phénomène qui inquiète la cité. Partout en Côte d'Ivoire, des disparitions sont récurremment signalées sur des plateformes numériques, réseaux sociaux et à travers des témoignages recueillis. Comment expliquer cette situation en Côte d'Ivoire qui ne cesse d'attrister des familles entières? Comment un pays relativement en paix se targuant d'avoir de meilleurs indices sécuritaires avec des caméras de surveillance installées à chaque coin de rue peut connaître et rester impuissant face à ce phénomène? À qui devons-nous confier la sécurité de nos différentes familles? De notre point de vue, ce phénomène ne semble guère inquiéter le ministère de l'Intérieur et celui de la femme, de la famille et de l'enfant. Ou du moins, il ne les intéresse qu'à jouer le médecin après la mort. La situation s'empire de jour en jour. Les informations sur les enlèvements et disparitions d'enfants se multiplient. Les familles ne savent plus à quel sein se vouer. Leurs progénitures sont arrachées à leur affection. Des disparitions qui provoquent des vagues d'indignation dans la cité. Comme exemple, l'assassinat début mars 2018 du petit Traoré Aboubacar Sidiki Dibouba, arraché à l'affection des siens à l'âge de 4 ans. Hormis le petit Bouba, 21 autres enfants ont été enlevés. 20 de ces enfants ont trouvé la mort par mutilation, tête tranchée, partie génitale enlevée. Ces pratiques sont devenues monnaie courante en Côte d'Ivoire avec une jeunesse sans repère à la recherche de gains faciles. Une situation qui hante le quotidien des Ivoiriens. Et pour mettre fin à ce cataclysme, une clé est toute trouvée. Le président Laurent Gbagbo qui, après une bonne gestion du pays, revient avec un programme. Un programme résumé en 10 piliers. 10 piliers pour redonner vie à la population. 10 piliers pour remettre la Côte d'Ivoire sur pied et donner de l'espoir à la population avec un accent prioritaire sur la sécurité des personnes et des biens. Cap 2025, c'est maintenant. Population de Côte d'Ivoire, votre destin est entre vos mains. Il est temps de mettre fin à cette douleur et cette souffrance silencieuse.